Le doigt levé pour frapper à la porte, Kimberly restait indécise. Elle avait pourtant mûrement préparé sa visite à Krista et avait répété au moins 100 fois les phrases qu'elle comptait formuler. Elle ne tergiversait pas. La tête haute, la voix posée, elle lui dirait exactement ceci. « Krista, tu as toujours été plus pragmatique et plus sensée que moi. Aurais-tu la gentillesse de me donner quelques conseils sur la méthode à employer pour séduire un mari ?» Ragaillardie, elle tapa 3 coups vifs. Quelques secondes plus tard, sa sœur apparaissait dans l'embrasure de la porte. Toute la détermination de Kimberly s'envola en fumée et elle parvint tout juste à plaquer sur ses lèvres un petit sourire gêné. « Kimberly !» s'écria joyeusement Krista. « Entre donc !» Je comptais justement passer chez toi prochainement car je n'avais pas de nouvelles. Les deux jeunes femmes pénétrèrent dans la cuisine, impeccablement brique. Que veux-tu boire? Tu supportes le café? Ce simple mot me retourne en estomac. Le café n'était pas seul responsable de son malaise, ajouta-t-elle mentalement. Je te comprends, reprit sa sœur. Pendant toute ma grossesse, je n'ai pas pu en boire une goutte. Mais rassure-toi, ça passe. C'est vrai? Comme Krista hochait la tête, la jeune femme se sentit soudain beaucoup mieux. Elle avait bien fait de venir, même si elle ne trouvait pas la force d'exprimer le but de sa visite. « Allons nous asseoir dans le salon, » proposa la maîtresse de maison. En franchissant le seuil de la grande pièce, Kimberly fut submergée par une vague de souvenirs. C'était ici qu'elle avait revu Michael, à l'occasion de l'anniversaire de Tommy. Ici également qu'elle était devenue sa femme. Aujourd'hui, aucune guirlande, aucun chandelier, mais une atmosphère sereine, familiale, en un mot, réconfortante. « On se sent si bien chez toi, » soupira-t-elle. « C'est un don de savoir rendre une maison accueillante. » Krista déposa un plateau chargé de 2 verres et d'une bouteille de jus de fruits sur la table basse. « Tu verras, quand ton enfant sera né, tu voudras créer pour lui un environnement douillet où il se sentira en confiance. » Et puis, je ne suis pas seul à construire ce foyer. Will y participe pleinement. Je suis sûr que Michael et toi vivez la même expérience. Kimberly ne trouva pas le courage d'avouer à sa sœur ses inquiétudes sur le couple qu'elle formait avec son mari. Raconte un peu, poursuivit Krista, un sourire radieux aux lèvres. Qu'as-tu fait cette semaine, pendant la journée, s'entend? Le sentiment malicieux des yeux bruns de sa sœur ne laissait aucun doute sur ce que sous-entendait sa remarque. Kimberly songea avec amertume à ses nuits, en réalité bien en deçà de ce que pouvait imaginer Krista. Chaque matin, la jeune femme doutait davantage encore de la capacité de son mari à s'abandonner pleinement à la passion, et a fortiori à l'amour. Le désespoir l'étreignait un peu plus chaque jour. C'était d'ailleurs pourquoi elle s'était décidée à venir frapper à la porte de Krista. Encore faudrait-il qu'elle trouve le courage de parler. « Kimberly ?»« Oui ?»« Tu me sembles très loin. »« Pardonne-moi, tu voulais savoir comment je m'occupe. »« Eh bien, mes malles sont arrivées hier de Boston. Aussi, j'ai commencé à déballer mes affaires. »« Mais je suis obligé de le faire quand Michael n'est pas là, car il m'interdit de soulever plus de 2 livres à la fois. »« J'ai remarqué qu'il se montrait très pas... très protecteur, en effet. » La jeune femme se contenta de hocher la tête en signe de confirmation. « C'est curieux, » continua-t-elle. « À Boston, j'adorais tous mes bibelots, mes lampes, mes vases. Ici, je n'arrive pas à leur trouver une place. Certaines choses demandent du temps. » Kimberly fixa intentionnellement sa jeune sœur. L'intuition de Krista était légendaire dans la famille. Soudain, son regard fut accroché par une vieille photographie suspendue au mur. Et qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle sentit ses yeux s'embuer de larmes. Krista, est-ce que papa te manque parfois? Sa cadette hésita un instant avant de répondre. À sa mort, j'ai eu le sentiment d'avoir été trahi. Comme nous toutes, approuva Kimberly. Mais au moins, tu as eu une enfance normale avec maman, Karina. Kendra et moi, nous ne l'avons guère connue avant d'être adultes. Krista opina du chef. C'est la raison pour laquelle je m'efforce d'offrir à Tommy une enfance aussi normale que possible. Peu à peu, Kimberly se rendait compte qu'elles avaient bien plus en commun qu'elles ne le pensaient. Toutes deux regrettaient de n'avoir pas mieux connu leur père, toutes deux reconnaissaient que leur mère avait fait de son mieux pour les élever, mais elles souhaitaient donner autre chose à leurs enfants. Tu sais, nous ne sommes pas les seuls de la famille, toi et moi, à avoir vécu une passion dévorante.
Kimberly considéra sa sœur avec surprise, puis s'arrêta de nouveau sur le cliché représentant ses parents. « Tu veux dire que notre propre mère a séduit notre père, oui. Pourtant, elle paraissait toujours si réservée, si vertueuse. Oh, elle l'était, mais elle savait être différente aussi. Quelques mois avant sa mort, j'ai découvert une autre femme. Malgré sa faiblesse, ses yeux s'illuminaient dès qu'elle évoquait papa. Ils ont vécu une histoire d'amour extraordinaire. On ne fait pas 4 enfants en 5 ans par hasard. » Le regard de Kimberly ne pouvait plus se détacher de la photographie jaunie. Crystal lui révélait que leur mère avait été sensuelle, passionnée, alors qu'elle ne gardait que le souvenir d'une femme dévouée et effacée. « Mais, fit-elle perplexe, pourquoi dis-tu que maman a séduit papa ?»« Parce qu'elle était issue d'une grande famille bourgeoise de la côte Est, tandis que les parents de papa étaient de modestes restaurateurs du Michigan. Il estimait qu'elle méritait mieux que lui, mais n'était pas de cet avis. » Tout en écoutant le récit de Christa, qui lui dressait un portrait nouveau de leur mère, la jeune femme se demanda où sa sœur voulait en venir. Fallait-il voir dans cette explication un conseil déguisé ? « Si je lis bien sur ton visage, » lança Christa avec un clin d'œil affectueux, « je te dirai que je pense que mon beau-frère n'a qu'à bien se tenir. » Kimberly sourit, rassérénée et époustouflée par la clairvoyance de sa cadette. « Oui, tu as raison. » Les deux sœurs se regardèrent et éclatèrent d'un rire complice. « Vous entendez ce cœur qui bat ?» demanda le gynécologue obstétricien, le docteur Bradley Grady. « Oh, Michael, écoute !» Étendue sur une table d'examen, Kimberly vivait cette première échographie avec ravissement. À son côté, Michael, le chapeau dans une main, pressait fortement les doigts de sa femme de l'autre. Grâce au moniteur, il percevait très nettement les battements du cœur de leur enfant. Depuis quelques jours, à la suite de sa visite chez Christa, la jeune femme ne s'était pas départie de sa bonne humeur. Son enjouement n'avait pas été sans intriguer Michael, à en croire le regard songeur qu'elle avait surpris à plusieurs reprises. Mais elle ne tarderait pas à lui faire connaître la raison de son optimisme. Un sourire flottant sur ses lèvres, elle interrogea le médecin. « Alors, docteur, le bébé se porte bien ?» Le praticien ôta son stéthoscope et lui retourna son sourire. « Il est en pleine forme, et vous également. » Kimberly se réjouit intérieurement. Tout se déroulait exactement selon ses prévisions. Normalement, elle aurait dû attendre 2 semaines avant de faire cette échographie, mais elle avait avancé le rendez-vous afin que Michael pût rencontrer l'obstétricien et avoir la confirmation que sa femme et son bébé se portaient bien. Et au sujet de l'intimité, que voulez-vous savoir, s'enquit le docteur Grady d'un ton faussement professoral. Je voulais dire enfin, vous voulez parler des relations sexuelles, termina abruptement le médecin. Reconnaissante, la jeune femme acquiesça et soutint le regard de son gynécologue. En cet instant, elle aurait donné cher pour voir la mine que faisait Michael, mais elle n'osait pas croiser son regard. « N'ayez aucune crainte, » affirma l'homme en blanc. « Vous pouvez conserver une vie sexuelle absolument normale sans faire courir le moindre risque à votre enfant. » Kimberly aurait voulu sauter au cou du médecin. « Merci, docteur, pour ce précieux conseil. Michael, es-tu prêt à partir ?» Se tournant vers lui, elle se rendit compte qu'il la dévisageait de ses yeux de braise. Rougissant malgré elle, elle se rhabilla prestement intérieurement à jubiler. 2 heures plus tard, Kimberly était encore aux anges. Pendant le déjeuner, elle avait décelé dans le regard de Michael cette étincelle de désir qu'elle croyait anéantie à jamais. La visite chez le médecin les avait rapprochés. En entendant le battement du cœur de leur enfant, c'était comme s'ils avaient pris conscience de l'entité qu'ils formaient en tant que couple. « Regarde ce ciel !» Surprise par la remarque, elle se tourna d'abord vers Michael avant de contempler le firmament. Plus qu'aux nuages, qu'elle savait reconnaître et nommer un par un, elle s'intéressait au visage de son mari, qu'elle commençait maintenant à pouvoir déchiffrer. En ce moment, elle sentait qu'une confiance, une complicité merveilleuse naissait entre eux. Michael engagea le véhicule dans l'allée qui menait à la maison de Christa. Revenant à la réalité, la jeune femme regretta d'avoir promis à sa sœur d'être là pour accueillir Tommy à la descente du bus scolaire. « Christa t'a-t-elle dit à quelle heure elle rentrerait ?» demanda Michael, la voix trahissant son impatience.
Kimberly soupira. Elle a été appelée pour remplacer quelqu'un au pied levé. Elle devrait être là un peu avant l'heure du dîner. Dès son retour, je lui demanderai de me raccompagner au plus vite. Elle tendit ses lèvres vers lui pour garder le parfum de sa bouche pendant tout l'après-midi. Après un baiser ardent, mais trop bref, elle sortit de la voiture et s'éloigna d'un pas vif pour oublier sa frustration. Patience, se dit-elle, le retrouvaille n'en serait que plus torride. Et ce soir, ils auraient une nuit entière devant eux. Une heure plus tard, en raccrochant le téléphone, elle se sentait plus confiante et plus résolue que jamais. Elle venait de parler longuement à Krista et, ayant une idée avec brio les questions insidieuses de sa sœur, elle avait désormais la conviction d'avoir adopté la bonne stratégie. Michael était en train de tomber amoureux d'elle. Son intuition ne pouvait pas la tromper. Pour qu'il en prenne conscience, il ne restait plus à Kimberly qu'à user de tous ses charmes. Par la fenêtre de la cuisine, elle s'assura que Tommy jouait sagement dans le jardin. Assis sur un seau retourné, un chapeau de cow-boy vissé sur la tête, il faisait tournoyer son lasso afin d'attraper l'un des ours en peluche disposé à quelques mètres devant lui. Ce spectacle innocent fit germer dans l'esprit de la jeune femme une idée qui l'était beaucoup moins. S'approchant de son neveu, elle applaudit lorsqu'il réussit à attraper un ours. « Bravo, tu te débrouilles comme un chef !»« Oh !» fit l'enfant en haussant les épaules. « Je ne suis pas encore aussi bon que l'oncle Michael. »« Est-ce lui qui t'a montré comment te servir d'un lasso ?»« Ouais. » Un genou à terre, Kimberly posa une main sur l'épaule du petit garçon. « Crois-tu que tu pourrais m'apprendre ?»« Si tu veux. Après tout, tu es un génie comme moi, pas vrai ?» Au bout d'une heure, Kimberly frotta ses mains l'une contre l'autre pour en ôter la poussière et rendit la corde à Toby. « Merci, mon grand. Je crois que c'est bon. » Il la considéra avec amusement. « Si je me doutais qu'une de mes tantes s'intéresserait au lasso, » éclatant de rire, elle l'embrassa tendrement sur le joue. « Les adultes sont des gens bizarres, tu as déjà dû t'en rendre compte. » Tommy lui sourit, ne sachant trop comment interpréter sa remarque. Le bruit d'un moteur dans l'allée leur fit tourner la tête dans un même mouvement. Krista était de retour, ce qui signifiait que Kimberly pouvait regagner l'orange et mettre en œuvre son plan. Michael gara sa jeep dans la cour de la ferme. Il avait promis à ses vachers qu'il les aiderait à préparer le marquage des bêtes et ne repasser orange que pour aller chercher les fers restés dans la grange. Mais en voyant de la lumière dans la cuisine, il ne put résister au désir d'aller embrasser sa femme. En ouvrant la porte, il humait une délicieuse odeur. Debout devant les fourneaux, Kimberly remuait quelque chose dans une grande poêle qu'il ne connaissait pas. Sans doute arrivé avec ses mâles. « Bonsoir !» lança-t-elle d'une voix caressante qui aussitôt lui ôta toute envie de ressortir. « Ça sent bon ici !» Je cuisine des crevettes, mais le curry ne sera prêt que dans une demi-heure, à moins que tu ne sois affamé. Non, c'est parfait ainsi. Michael la regarda s'affairer en luttant contre le désir qui montait en lui. Depuis peu, Kimberly avait changé, toujours aussi tendre et affectueuse, mais plus femme et séductrice. Elle respirait la santé. D'ailleurs, le médecin lui-même l'avait confirmé. Ses nausées matinales n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Sa beauté resplendissante, son énergie positive lui donnait des idées qu'il lui tardait de pouvoir concrétiser. Kimberly éteignit le bouton de la plaque électrique et se tourna vers son mari, vêtu d'une tunique blanche sans manches et d'un caleçon beige en mailles extensibles qu'elle avait soigneusement choisi. Elle constata avec plaisir que Michael ne restait pas insensible à sa tenue. « On dirait que tu as eu une journée bien remplie. » Suivant son regard, elle comprit qu'il faisait référence au petit bureau qu'elle s'était aménagé dans un coin. « J'ai installé mon ordinateur, en effet. » Mais elle se garda bien de mentionner ses autres occupations de l'après-midi. Les désirs brûlants qu'elle lisait dans les prunelles de son mari valaient tous les encouragements. Humectant ses lèvres, elle enroula une mèche de cheveux autour de son doigt. « Ah, Kimberly, murmura-t-il, tu ne m'aides pas à retourner travailler. Est-ce obligatoire ?» Avec des airs de conspiratrice, elle fit un pas vers lui et entreprit de déboutonner sa chemise. Les oreilles de Michael se mirent à bourdonner. Cette femme, sa femme, lui faisait perdre la tête.
Mais il n'avait qu'une parole. Après l'avoir embrassée à trois reprises, tour à tour avec passion, tendresse et frénésie, il mit fin à leur étreinte. « Je dois partir, mais je reviendrai dès que possible. » Et sous les yeux incrédules de Kimberly, il quitta la pièce. Ce moment de stupeur passé, elle réagit au quart de tour. Elle courut jusqu'au placard où elle avait remisé une corde et ainsi armée, se précipita jusqu'au porche, se concentrant pour exécuter les mouvements que son neveu lui avait enseignés. Elle fit tournoyer la corde au-dessus de sa tête. L'instant d'après, Michael, pris aux épaules, s'immobilisait. « Pas si vite, cowboy !»« Kimberly !» maugréa-t-il. « Je ne pense pas que... »« Ne pense pas. J'ai promis à Poké, à Mo et à Frank que je les rejoindrai. » Tes employés ne sont pas stupides, Michael. Je suis certaine qu'ils comprendront vite ce qui s'est passé. Il ferma les yeux. Elle avait eu le temps d'y lire le désir qui sourdait en lui. Approchant à pas feutrés, elle alla cueillir sur ses lèvres le baiser de la rédemption. Comme il ne la repoussait pas, bien au contraire, elle prit par la main et l'entraîna jusqu'à la maison. Eh bien, ma foi... T'as gabré avec un lasso, c'est très original.